Je ne suis pas du tout mystique, donc je ne vais pas dire que je fais qu'un avec l'élément, mais c'est le sentiment de faire qu'un. Le sentiment qui est celui auquel aspirent les bouddhistes à ne faire qu'un, à dissoudre son ego. Ce qui me plaît, c'est que tout est plus lent sous l'eau. Les algues se déplacent lentement, les poissons se déplacent aussi lentement, et toi, tes gestes sont forcés d'être plus lents. Donc je pense que c'est tout ça qui rend ça onirique. L'air, c'est ce qui est directement vital, directement le plus important, et être capable de vivre sans ça, ça rajoute peut-être au côté, je me rends compte maintenant en le disant, mais au côté pouvoir magique. Anthropologue de métier, en immersion dans les milieux qu'il traverse, Yann Benoît est l'auteur d'ouvrages sur l'apnée, où il expose ses arguments en faveur d'une pratique libre et passionnée, en dehors des circuits compétitifs. L'apnée lui permet également de pratiquer la chasse sous-marine. Nous le retrouvons à Fouesnant, dans le Finistère, pour une plongée avec sa fille Soizic. Combi, c'est un peu dur à enfiler. Le savon pour glisser dans la combi. Donc j'ai mis du savon de Marseille pour pas être le moins polluant possible. Je prends toujours une dague, c'est pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais c'est par sécurité, il arrive qu'il y ait des filets de pêche, des choses comme ça. Je la mets à la cheville, donc certains la mettent à l'avant-bras, moi je suis moins gêné comme ça. Quand on plonge en combi, bah, la combi elle flotte. Si je te donnais la combi sans plomb, tu pourrais même pas, même si tu voulais te noyer, tu n'y arriverais pas. Donc il nous faut des plombs pour nous lester. Et également pour rester au fond. C'est-à-dire qu'avec Soizic, ce que je vais lui faire faire, là, c'est en chasse, on appelle ça des agachons. Donc l'agachon, c'est quand on se pose au fond et qu'on attend que le poisson vienne. C'est un des thèmes qui revient le plus dans la bouche des apnéistes. Par rapport aux plongeurs bouteilles, il y a le fait d'être libéré du matériel. On n'a pas besoin d'oxygène, on n'a pas besoin de faire de palier. On a l'impression de se libérer des contraintes biologiques, puisqu'on a l'impression de pouvoir vivre sans respirer. On a aussi la liberté de se mouvoir dans les trois dimensions, quoi, sous l'eau. On est libéré donc des contraintes de la pesanteur. Et puis, dans mon cas, mais je pense dans d'autres, on a le sentiment, même si on est à deux, même si on est en binôme, de se libérer des contraintes sociales le temps de l'apnée, parce que, faut bien dire ce qui est, les apnéistes sont souvent des individualistes. Même si c'est tempéré par aussi le besoin du collectif et de la sécurité. Donc il y a toutes ces libertés qui apparaissent, quoi, qui se mettent en place. Il y a une aspiration qui est antérieure, bien sûr, chez moi, dans mes choix politiques, dans mes choix de vie. Pour moi, c'est cette école-là aussi, l'apnée. C'est un individualisme qui n'est pas un égoïsme. C'est très personnel et je pense pas que les d'autres apnéistes vous le diraient, mais moi je compare ça à l'anarchisme, à l'idéologie anarchiste, qui est un compromis pour moi entre la liberté individuelle et le fait de vivre ensemble et de construire ensemble. Donc
Donc on va essayer de palper le plus doucement possible et le moins bruyamment possible. Essayer de ne pas nous signaler aux poissons, si on a la chance d'en voir aujourd'hui. En fait, on fait de, plus que de l'apnée aujourd'hui, on fait un peu de chasse, mais sans fusil. De la chasse végane. Je suis effectivement plus content de rentrer dans l'eau en Bretagne qu'en Méditerranée, quoi. C'est vrai que la Méditerranée, je la trouve agréable à plonger, parce que facile, entre guillemets, à plonger. Ça bouge pas, c'est très clair. J'ai l'impression que la mer en Bretagne elle a un caractère qu'il n'y a pas ailleurs. Le fait qu'il y ait des grandes marées, ça donne de la vie pour moi à la mer par rapport à la Méditerranée qui, ça va faire hurler beaucoup de gens, mais qui pour moi est un grand lac. Ouais, j'aime bien plonger en Bretagne. J'ai l'impression de continuer. J'ai vu les falaises et puis là, je vais voir ce qui se passe sous la côte un petit peu en dessous. Je continue ma visite et mon lien à la Bretagne. J'ai commencé en y allant avec un slip de bain, des petites palmes, un masque et un tuba. Et puis après, c'est passé au shorty, puis à la combi de plongée bouteille, puis à la combi de chasse, puis aux palmes longues. Quand j'étais petit, vraiment enfant, quoi, en primaire, je pense... Mon oncle maternel, Alain, s'était mis à faire de la chasse sous-marine. Mon oncle était déjà une personne que j'aimais beaucoup. C'était un oncle très, très gentil, très, très aimant, et qui faisait peut-être effectivement des choses que faisaient pas mes parents, plus osées, plus entre guillemets risquées. Il y avait un côté, quand on le voyait en combi, un côté super-héros, quoi, en fait. Moi, je dévorais déjà... Alors on parle de Marvel maintenant, il y avait une revue qui s'appelait Strange quand j'étais gamin, il n'y avait pas encore les films. Et donc la combi, ça rappelait effectivement un super-héros. Il va profond, il voit des choses sous l'eau qui sont invisibles au commun des mortels. Je sais pas du tout maintenant, avec le recul, ce qu'il en était réellement, mais j'avais l'impression qu'il partait au large, quoi. Il disait, il va... Donc c'était dans la Manche, il va arriver en Angleterre, c'est pas possible, quoi. Et puis après, il y a eu donc Le Grand Bleu, le film que j'ai vu au cinéma à sa sortie. Je l'ai vu en version longue, mais moi ça a été une révélation. Ça nous avait tous impressionnés à l'époque. Les apnéistes qui ont plus de 30 ans, en tout cas, je pense que tous vous diront le rôle important du Grand Bleu dans l'envie de faire de l'apnée. Après, en grandissant, ça s'est calmé. Je suis arrivé à l'université, il y a eu d'autres préoccupations. Et en fait, c'est durant des vacances que j'ai redécouvert à Quiberon l'envie de plonger, simplement en allant dans l'eau, en voyant cette eau claire. Je cherche la relaxation.
Donc je cherche déjà à faire ralentir mon rythme cardiaque. Donc pour ça, je fais des expirations assez longues. Et puis, je finis aussi par m'oxygéner avec des grandes inspirations, toujours suivi d'expiration. Et je finis par une aspiration en plein poumon, où là, je bloque, où je compense mes oreilles. Où je descends. Donc là, on fait ce qu'on appelle un canard. Le canard, c'est le moment où on plonge, le corps se coupe en deux, et puis on essaie de remettre les jambes à la verticale pour faire une belle descente, qui est très important pour commencer. Et puis on commence à descendre. D'abord, donne les premiers coups de palme assez forts, mais il faut toujours avoir une relaxation. Et on va petit à petit ralentir nos battements pour trouver le moment où on va être en flottabilité négative. Et donc là, on va s'arrêter de palmer et on va se laisser couler. Idéalement, on va fermer les yeux pour être dans le relâchement. Et là, donc, on n'a plus le stress de se dire « est-ce que ça va passer ?» et on n'a pas encore le stress de se dire « va falloir que je remonte et que je vais respirer ». On a ce moment qui est un peu ce moment magique, alors qui dure peu de temps pour nous, qui chez les champions va durer plusieurs minutes, qui est le moment où on se dit « mais en fait, j'ai pas besoin de respirer ». On se sent comme câliné par la pression de l'eau qui vient nous envelopper tranquillement, pression fœtale un petit peu. Quand j'ai débuté à sortir tout seul en mer, il y a eu des petits moments où le cœur s'est mis à battre. Petits moments un peu cocasses, hein, c'est pas glorieux à raconter, mais il y a mon ombre qui se projette sous la surface de l'eau. Je crois que c'est un requin. Voilà, un requin en Bretagne, bon. Entend des sons qu'on définit pas, qui paraissent un peu plus graves, un peu plus étouffés, même s'ils sont, ils le sont pas. Et je dirais qui évoque un petit peu la perception des sons qu'on a dans un rêve. Il y a une rencontre animale, presque extraterrestre, dans l'aspect qui m'a marqué. C'est déroulé avec quelqu'un que j'ai par la suite appelé Hubert. Je plongeais un maximum 7-8 mètres. Et il y avait des parpaings sous l'eau, là où j'étais. Et sous un parpaing, je regarde à l'intérieur, je vois un œil qui me paraît très gros, qui m'observe. Et je comprends que c'est un poulpe. Alors le soir même, ma femme n'était pas contente, mais je prends un morceau de paupiette pour Hubert, que je noue autour d'un fil de pêche, sans hameçon bien sûr, et donc que j'emmène avec moi et que je fais danser ce petit morceau devant son trou. Et effectivement, Hubert sort, donc je détache le morceau de viande, je le laisse manger.
Alors je ne sais pas si la paupiète est très indiquée pour le poulpe, hein. Mais toujours est-il qu'il se passe un truc, c'est que je remonte à la surface et que le poulpe me suit, et qu'on s'amuse comme ça à descendre et à remonter tous les deux, et que j'arrive même à le toucher sans qu'il en semble effrayé, quoi. Il se pose au fond. Et le lendemain, je reviens et j'ai pas besoin d'attirer Hubert avec de la nourriture pour qu'il sorte. Il sort. Et pendant 3-4 jours, comme ça, le temps de mes vacances, et ben, tous les jours, j'allais rendre la visite à cet animal qui jouait avec moi, qui changeait de couleur. C'est impressionnant, c'est très très beau en plus. C'est plus facile de plonger à ce qu'on appelle les étals, c'est-à-dire le moment où la marée se repose, quoi. Donc ça peut être l'étal de basse mer, quand elle est complètement retirée. Et donc là, il va y avoir un moment où la mer va se mettre en pause, et donc on ne va pas avoir de courant. Hier, quand on est sorti, au début de la sortie, c'était ça. Et, alors je ne sais pas si ça venait de la côte, mais d'un coup, effectivement, ça a commencé à remonter, l'eau s'est troublée un petit peu, et il y a eu plus de courant. On trouve des conditions plus faciles, et en plus on peut du coup aller plus loin, c'est-à-dire dans des zones qui n'ont pas été explorées par d'autres chasseurs sous-marins. Psychologiquement, on se dit qu'on voit des zones que personne n'a vues. La végétation pousse sur des rochers. Donc il y a plusieurs étages, et avec la flottaison, bah les algues sont debout, quoi. Donc vraiment, vous avez le sentiment d'être dans une forêt, quoi. Et quand vous vous calez dedans, vous avancez en écartant parfois les arbres, quoi, ce qui correspond à des arbres. Voilà. Bon, alors je crois qu'on dit un champ de laminaire, moi j'ai tendance à voir une forêt, moi. La mer, ça reste une frontière entre nous et un autre monde, la surface de la mer, je veux dire. Ça rajoute peut-être au sentiment de liberté, c'est-à-dire une autre des barrières qui est franchie, c'est celle entre la réalité et le rêve, quoi. Il n'y a pas d'autre être humain avec nous, il y a l'environnement et on peut se fondre dedans. Et il y a un petit satori, une petite illumination, comme disent les bouddhistes, qui est plutôt très agréable. J'ai entendu des guitaristes le décrire, qui sont le moment où on fait un solo sans réfléchir à ses doigts, sans réfléchir à ses accords. Et ben moi, voilà, c'est un peu ça que je vis, c'est ce moment où j'ai l'impression que je suis la mer. C'était En Immersion. Un documentaire de Mathilde Doisy et Nathalie Hong, avec Yann Benoît. Mixage Aurélien Frances. Une coproduction de Silence Podcast et Micromonde.